Jeff Guyon qui sera là si vous avez des questions sur le matériel, etc. Mais c'est aussi lui qui aura une partie de la notation technique. Et donc Fabrice Delaunay qui sera aussi le second jury technique. Fabien qui est avec nous. Fabien qui est avec nous et notre monsieur Loyal aujourd'hui. Donc comme sur toutes les dates, c'est lui qui sera aussi maître du temps. Si vous avez des questions, s'il vous manque quelque chose. On vient de Strasbourg, ouais. On est arrivé hier, on a fait bonne route et on repart cet après-midi. Quoi. D'accord. Vous avez un produit que vous préférez avoir dans le panier ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, non. Que ce soit viande ou poisson, peu importe. J'ai hâte de savoir. Et le stress monte un peu. Mais... Donc Guillaume démarre 9h35. Ouais. Quand tu vas rentrer là, à peu près, ça sera 10 minutes pour voir les ingrédients du panier mystère et aller chercher tes légumes. Okay. Ensuite, tu pars en cuisine et il te reste 3 heures pour envoyer ton plat. I'm from Cambodia. C'est bon? Yeah, it's my last semester here. Yeah. Are you enjoying it? Yeah, I'm really enjoying it. Yeah. I love the school and all the people that I met. So, yeah. No, I've never been in this environment before. So, yeah, first time volunteering for a competition like this. Yes, yes, you can. Vous avez du riz de veau français, né et élevé abattu en France. D'accord. Vous avez sur du très joli riz de veau prêt juste à les dénerver, à les préparer. Vous avez de la noix de Saint-Jacques à Visigny. C'est une noix de Saint-Jacques des côtes françaises, ramassée à la drague, qui est nettoyée à l'eau de mer. Vous avez un joli produit. Et ensuite, vous avez un foie gras de chirouille, un foie gras de canard extra français. Sous papier, c'est un produit qui est ultra frais. Vous avez du lard de colonnata, donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est un lard qui est pris sur un cochon très gras, qui est mis en maturation dans des caisses engrais avec du sel, des épices, de la cannelle. Et c'est quelque chose qu'on taille très très fin, ça parfume, c'est très très fort. On peut très bien le travailler sans les épices. Par contre, il doit faire partie de l'assiette. Et du rhum, parce que voilà, la journée va être longue. Ça a l'air de bien se passer, je pense. Il avait pensé à l'assiette terre et mer. Là, ça va. Tout à l'heure, il était un peu stressé, mais là, j'ai l'impression qu'il est dans son jus. Ça a l'air d'aller. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Moi, j'espère pour lui, en tout cas. Nous sommes à l'Institut Le Cordon Bleu à Paris pour la deuxième année consécutive puisque c'est dans ce superbe établissement que se déroule la finale. Ça a été une saison dans la continuité de ce qu'on connaît avec le panier mystère hein, depuis le début, donc c'était la troisième année consécutive. Toutes les sessions se sont déroulées à carton plein, je vais dire, et donc avec toujours la même motivation, le même plaisir pour les maîtres restaurateurs de participer à un concours qui est quand même très original. Hein. Le principe du panier mystère, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Et je pense que pour les maîtres restaurateurs, ça fait partie de la mise en évidence de leur savoir-faire et des valeurs qu'ils défendent au quotidien chez eux. Une minute. Candidat numéro 5, riz de veau pané à la réglisse, Saint-Jacques rôti au beurre mousseux, crémeux, pané coco.
disiez, ce que vous en pensez. Et bien sûr, on est là pour se faire meilleur. Donc, il faut que ce soit sujet à discussion constructive. Le premier, moi, j'ai trouvé manque de cuisson et d'assaisonnement, pas assez de croustillant de coloration. Le 7, plat goûteux, bien assaisonné, plat sobre, reste élégant, commercialisable. Bien sûr qu'ils ont bien travaillé. Vous savez, les concours, il y a toujours ceux qui ont le courage de y aller et puis les autres. Donc déjà, d'être là, c'est déjà une belle prouesse puisqu'ils ont participé avant à des sélections régionales. Donc c'est plutôt déjà un bon résultat d'être présent à la finale. Le niveau était très équilibré. Bien sûr, il y a toujours un ou deux candidats qui sortent du lot. Donc là, c'était le cas encore aujourd'hui. Donc on n'a pas encore tout à fait les résultats, mais l'ensemble du jury était à peu près unanime sur deux candidats. Donc on verra avec les notes de cuisine lequel des deux va gagner. Ils ont fait du très très bon travail, vraiment. Vraiment, on a dégusté des super belles assiettes. Et il y a eu quelques différences, mais sur l'ensemble, ils se sont quand même bien maintenus. Les concours en France représentent quand même le poumon un petit peu de notre cuisine. Ça oblige les chefs à se dépasser, à se surpasser. Ça les oblige à réfléchir comment ils peuvent encore aller plus loin dans leur métier, comment ils peuvent aller vers l'excellence. Et pour moi, j'y attache beaucoup d'importance. Les concours sont vraiment le rythme de la cuisine française. Bravo à vous d'être là, merci. Le troisième lauréat de ce concours 2018 est monsieur Florian Mercadier. Alors, en deuxième position, on monte sur le podium, monsieur William Gallo. Ouais. Je me demande si la commis est pas plus bonne que pas plus bien. Le maître restaurateur qui gagne le concours 2018 est monsieur Arnaud Broguel. Croiseur exceptionnel, avec un commis génial. Au top, du cordon bleu. Voilà, c'était intense. On a eu 5 produits donc imposés. On a eu le foie gras, la Saint-Jacques, on a eu les riz de veau, le rhum et le lard de colonnata. Donc voilà, super produit. Il fallait assembler tout ça, les parfums, les goûts, qui sont complètement différents, mais vraiment un super moment. Alors, l'intitulé, j'ai fait un terre-mer, tout simplement. Je viens de Guadeloupe. On a l'habitude de travailler avec les produits de la mer, les produits de la terre aussi. Et là, j'ai voulu mettre en avant tous les produits. Voilà, j'ai fait un crémeux de tuberculeux. J'ai fait un carpaccio de Saint-Jacques. Par-dessus, je suis venu déposer donc, le riz de veau rôti au lard de colonnata. Ça a apporté un petit goût de cannelle. Le petit morceau de foie gras, voilà, pour donner beaucoup de gourmandise. Et je suis venu finir donc, ce plat avec un jus de Saint-Jacques au rhum vieux. Et voilà, des petits légumes de pickles pour apporter un peu d'acidité. Et puis je pense que bah, voilà, j'ai gagné. Donc le jury était très content et moi je suis content, mon commis est content. Voilà, super concours, vraiment. Super, très très dur quand on a pu s'apercevoir du panier mystère. Parce que quand on est parti là-dessus, les ingrédients n'allaient pas du tout ensemble. Enfin, il fallait vraiment trouver une osmose entre tout. Et puis on est venu un peu en avance, on a fait le Rhum Fest, donc je suis parti sur la route du rhum et on a assaisonné tout ça autour du rhum. Prochaine étape, faut aller ouvrir un resto. On va y retourner et puis on n'a pas gagné, donc on reviendra certainement parce que c'est vraiment une épreuve extraordinaire et que c'est vraiment plaisant. Une équipe super sympa, des produits super sympas, des partenaires qui nous donnent envie de travailler les produits. C'est vrai qu'on avait trop des produits extraordinaires aujourd'hui. Et puis voilà, avancer, apparemment ça fait bien avancer. Moi ça fait 2 ans que je fais des concours. Je savais pas du tout ce que c'était. Ma cuisine a vraiment évolué depuis 2 ans. Ça m'a permis de rencontrer des gens, d'avancer. Et mon niveau de cuisine est complètement différent. Et l'avantage c'est que
on est très proche de nos clients et nos clients nous le rendent tout de suite. Voilà. L'épreuve s'est bien passée, c'était pas évident au départ parce que quand on a vu les produits qu'ils nous ont imposés, en plus je suis passé en premier, donc c'est vrai que de but en blanc comme ça, les produits qui ont été imposés étaient pas forcément évidents, l'association des saveurs, mais on a fait avec, bah, comme tout le monde hein, de toutes les manières. Et on a essayé de faire en sorte de mettre le plus en valeur tous ces produits-là et d'avoir un lien entre toutes ces saveurs. Et puis voilà, l'épreuve en elle-même s'est bien passée. C'est une expérience qui est très intéressante. Et les gens qu'on rencontre sont géniaux et c'est dans un bon état d'esprit. Et c'est vrai qu'il faut venir, il faut participer. Même, faut pas chercher à se dire j'ai le niveau, j'ai pas le niveau. On a tous le niveau. À partir du moment où on est maître restaurateur, qu'on travaille des produits frais, tout le monde a le niveau et faut vraiment venir parce que c'est top. À la 1, à la 2, à la 3. Ouais. Si vous avez un conseil à donner à un maître restaurateur aujourd'hui, que serait-il ? Alors, je reprendrai un conseil qui m'a été donné par Alain Chapelle il y a quelques décennies, je dirais un peu plus de 30 ans. Je lui ai demandé s'il avait un conseil à donner à un jeune chef qui s'installe, quel ce serait ce conseil. Et donc il m'a dit « reste dans ta cuisine ». Et je crois que c'est un conseil vraiment important parce que le cœur de nos maisons, il est dans notre cuisine. Et il faut faire battre ce cœur avec toute la passion qui nous anime. Et il faut sans arrêt, se remettre à sa tâche, toujours innover pour paraître aussi bien. C'est très important de ne pas tomber dans une routine. Donc rester dans sa cuisine, ça fait partie de cette émulation et ça permet aux gens de se remettre en question.